Dominique Roland, bonjour. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter parce que j'ai vu que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes anthropologue, auteur, vous faites du théâtre, vous êtes maître de conférence à l'INALCO. J'aimerais savoir qui êtes-vous? Oui, bon, j'ai plusieurs casquettes, bien sûr, mais enfin, disons que j'ai un peu une casquette centrale qui réunit un peu tous ces différents aspects, c'est que je suis anthropologue au départ de formation et que c'est ça qui constitue un peu l'axe de mon travail autour de toutes ces choses un peu éclatées. Quand est venu ce thème du métissage dans votre recherche? Alors ça, c'est arrivé tard et c'est intéressant à poser comme question maintenant parce qu'on pourrait demander pourquoi c'est pas arrivé trop plus tôt. D'abord parce qu'il y a une raison familiale, je suis d'une famille eurasienne, donc on aurait pu imaginer que je fasse cette démarche plus tôt. Alors, bon, il y a deux explications au fait que ça n'est pas arrivé tout de suite. C'est d'abord que le Vietnam était un terrain qui était inaccessible parce qu'il y avait la guerre. Ça, c'est une première raison pour laquelle je n'ai pas investi le Vietnam à cette époque-là. Mais pas seulement, c'est probablement parce que le rapport à mes origines était compliqué et que donc aller de manière frontale travailler au Vietnam, c'était difficile pour moi. Pour beaucoup de métis, hein, dès qu'on les interroge, on tombe là-dessus, c'est qu'on a tous vécu des situations de très très grand silence. On ne savait rien, moi je ne comprenais rien. J'étais élevée par mon grand-père qui était métisse pour une part parce que mes parents étaient partis vivre en Italie. Et je ne peux pas dire ce que je comprenais, ce qui se passait. Je sentais bien il y avait eu du drame, il y avait eu de la complication, il y avait de la contradiction, il y avait des choses. Mais je ne savais pas quel était le contenu de ces choses-là. En plus, je confondais tout parce que j'étais très jeune, j'avais 5 ans, 6 ans. Je voyais à la télévision les images de la guerre d'Algérie. Je ne sais pas si c'était la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Mon oncle avait été tué en mars 45 par les Japonais. Je ne comprenais pas ce que les Japonais venaient faire dans cette histoire. Mais on n'en parlait pas non plus. On sentait qu'on était sous un peu une coupe de silence. Des gens que je voyais passer chez mes grands-parents, ils étaient sans arrêt dans le déni de leurs origines. Et je voyais bien qu'ils essayaient toujours de se présenter comme français jusqu'à l'obsession d'une certaine façon, alors qu'ils avaient des traits physiques asiatiques. Donc voilà, c'était très confus. J'ai retrouvé la carte d'identité de mon grand-père, celle qui date de 1937, je crois. Oui, c'est ça. 1937. Il y a écrit Charles Eugène Arter, né à Dapco, province de Bakhtin, 1894. Fils de Charles Eugène Arter, inspecteur des chemins de fer, et de Nguyen Thi Nhiem, son épouse. Son épouse. Union légitime, naissance légitime, carte d'identité française, pas de problème. Et pourtant, si on regarde de près, sous la mention signe particulier néant, cette autre mention très étrange, teint de point bistre. 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 Qu'est-ce que c'est, bistre? Bistre, c'est une couleur. Mais quelle couleur? C'est un peu marron, un peu beige, un peu avec du vert, du gris, du mauve. Enfin, ça n'existe pas du tout comme couleur. Sauf peut-être sur les Vélib. Bistre. Et est-ce que c'est une façon déguisée de dire la couleur de la race, la couleur de la peau? Je ne crois pas, parce que quand on parle du teint, ce n'est pas à propos de ceux qu'on appelle les gens de couleur, mais plutôt de gens qui ont un peu de couleur, mais pas vraiment de couleur non plus, quoi. Être teinté, c'est n'être pas tout à fait blanc, mais blanc quand même un peu, quoi. Blanc quand même pas mal. Plus blanc qu'autre chose, en fait. Ce qu'on dit teint basané, teint olivâtre. Enfin, mon grand-père, le petit potin bistre, il était métis. Mais lui, il préférait dire eurasien, parce que métis, à son époque, c'était une insulte. Oui, on disait sale métis, sale race de métis dans les rues de Saïgon, Hanoï, Hue, Haïphong. Sale métis, sale race de métis. Ouais, je sais.
Je sais, ça peut te surprendre aujourd'hui parce que le métissage est à la mode. On pense que c'est un plus, un avantage, un atout, que deux cultures, ça vaut mieux qu'une seule. Oui, c'est vrai, mais sauf que c'est pas du tout ça, être métisse. Ce n'est pas avoir deux identités distinctes, c'est être à la fois l'un et l'autre. C'est avoir toujours une part de l'autre en soi. Peut-être même une part de soi dans l'autre. C'est porter toujours au plus profond de soi les deux parts d'un monde inégal. C'est être à la fois colonisateur, colonisé, dominant, dominé, possédant et dépossédé. C'est pour ça que c'est pas si simple qu'on le dit. C'est pas si amusant qu'on le dit d'être métisse. Oui, je sais bien ce que vous allez me dire, que je fais bien des histoires, que qu'est-ce qui m'en reste à moi de cette goutte de sang vietnamien, hein, au fond, pas grand-chose, de la couleur diluée, de l'identité diluée, presque rien. Ouais. Mais je pourrais vous demander aussi, qu'est-ce qui leur en reste à eux, aux gamins en capuche qui caillassent des bagnoles dans nos banlieues, qu'est-ce qui leur en reste de leur identité martiniquaise, sénégalaise, marocaine, tunisienne, vietnamienne, khmer, que sais-je encore, qu'est-ce qui leur en reste? La couleur diluée, l'identité diluée, pas grand-chose non plus. À quel moment, alors, quel a été le déclic pour commencer à travailler justement sur le métissage? Alors, par exemple, il y avait des choses. Je me souviens de choses précises. Quand j'étais petite, j'allais à l'école. Et un jour, il y a une petite fille dans la cour de récréation qui m'a dit « C'est qui le Chinois qui vient te chercher à la sortie de l'école ?» Et je n'ai pas compris la question. Je ne savais pas de qui elle parlait, parce que mon grand-père, pour moi, je ne voyais pas sa différence physique, comme évidemment les proches ont... Donc, d'abord, pour un Chinois, et je n'ai pas été capable de lui répondre. Puis après, j'étais embêtée par cette question. Je disais, mais j'aurais dû lui dire, mais il n'est pas Chinois, il est Tonkinois. Et puis après, je me suis dit, mais si je lui dis Tonkinois, elle m'aurait dit, c'est quoi le Tonkin? J'aurais dit... Alors, et tout ça, je me reconstituais, je me disais, ben, je lui aurais dit, c'est une province de la France. Et puis quand je pensais ça, je me disais, mais sûrement, elle va dire, maintenant, une province de la France qui est en Chine, qu'est-ce que tu racontes et tout. Donc. Alors, on est chez Rémy Gastambide, donc, qui est peintre et photographe, et photographe et peintre, je ne sais pas dans quel ordre. Donc déjà, on va commencer par le début, le commencement, qui est un commencement un peu particulier, déjà une histoire un peu singulière. Eh bien, je suis né officiellement le 1er janvier 1969 à Saigon, cette ville du Sud-Vietnam qui s'appelait Lbok Saigon, qui est une ville aujourd'hui. Et j'ai été adopté par une famille, un couple franco-suisse, monsieur et madame Gastambide, à environ un an et demi. Et je suis arrivé en France en mars 70, voilà. Et j'ai grandi à Reims, en Champagne. Donc on va parler de ton premier retour à Saigon, au Vietnam. Oui. Tu découvres Saigon, voilà. Qu'il y a des métisses d'enfants de soldats américains et de femmes vietnamiennes, voilà. qui sont errants dans Saigon. Voilà, errants, vivants, travaillant, ou ayant le même âge que moi, plus ou moins. Oui, bien voilà. Sûr. Et découvrant aussi, en tout cas, un certain dédain, une certaine opprobre que la société vietnamienne, pas uniquement pour les motifs politiques, étant donné que ce seraient les enfants de l'ennemi, mais pour des motifs culturels, pour des raisons culturelles, avait beaucoup de mal à accepter. Et donc, le mépris des Vietnamiens pour les métis, voilà, est aussi quelque chose qui m'est arrivé en pleine figure. Le moment où tu es à Saigon et où tu rencontres ces Amérasiens, c'est le moment où l'ambassade des États-Unis les rapatrie. Voilà, donc... Enfin, essaie de les renvoyer aux États-Unis. Voilà, donc enfants métis, enfants mal aimés, méprisés au Vietnam, pour toutes ces raisons-là, culturelles, politiques, historiques. Enfants qui veulent aller aux États-Unis pensant que c'est le seul pays, le pays de leur père, qui les accueillera. Le gouvernement américain, avec l'ouverture économique et politique du Vietnam à l'Occident, a négocié avec le gouvernement vietnamien de l'époque ce répatriement massif des anciens cadres du régime sud-vietnamien, des enfants métis et des quelques portés disparus américains, soldats portés disparus. Donc il y avait ça aussi. On croyait encore à la survivance.
Je suis de père vietnamien et de mère française. Mon prénom est espagnol, Marcelino, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'est pas un prénom italien. Le mien est la version ibérique du prénom avec un seul L, parce que je suis né aux Philippines, à Manille, et mes parents habitaient la rue La Calle San Marcelino. Ils avaient aussi vu un film qui s'appelait Marcelin Pain et Vin, qui avait un certain retentissement dans les années 50. Du coup, j'ai été nommé Marcelino. Ça faisait très longtemps que je voulais raconter cette histoire parce qu'elle m'avait. Saïgon, que j'ai connu gamin de 4 à 6 ans, m'avait vraiment laissé un souvenir inoubliable, malgré la gravité des événements. Mais d'abord, il a fallu que j'acquière le souffle pour le faire. Et donc, j'ai sans doute gagné un peu de maturité, mais il y a eu aussi, très important, les voyages de retour au Vietnam à partir de 91. Parce qu'entre 63 et 91, je ne suis jamais retourné au Vietnam. Toute la famille suivait de près les événements du Vietnam, mais il m'a fallu attendre 91. Un long parcours dans lequel interroger et parler longuement avec les témoins de cette époque des deux côtés, ça a pesé très lourd. Oui, alors, si je raccroche une réflexion d'une Américaine, là, dans les années 70, là, à ta réflexion, là, m'a dit « You have a father Corsican and a mother Vietnamese, you may be a gangster. » Alors, je vous dis tout de suite que moi, je trimballe tous les mythes qui existent. Les mythes des Corses, les mythes des Métis, vraiment, hein, et tous les autres mythes, hein, aussi, hein, tous les autres mythes. Bon. En 45 et 46, j'ai assisté à ces drames terribles, hein, de la fin de la guerre, de la montée du nationalisme vietnamien, du retour des Français, etc., etc., que j'ai raconté comme historien. Donc, après mon bac, je suis venu en France. Et je voulais quitter cette terre. Parce que je vais vous dire, je l'ai expliqué aussi, un métis, dans un cas de guerre, de conflit, c'est le traître. J'appelle ça même un traître fatal. Il est forcément, s'il choisit un camp, il trahit l'autre. Et moi, je ne vous cache pas que je voulais quitter un endroit où mes deux peuples, si vous voulez, s'entretuaient, quoi. Non, ça, c'était pas possible. Donc on est réunis là avec des gens du camp, trois personnes qui sont du camp, et justement, première question que moi je voulais poser, qu'est-ce que ça veut dire être du camp? Est-ce que ça a du sens dans une identité? Est-ce qu'on se sent être du camp? Toi, Daniel, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, le camp? Oh là là. Si on en parle du camp, c'est toute notre jeunesse, hein, de toute façon qu'on parle. Enfin, moi, je ressens le premier aspect. Parce que si on a continué à parler entre nous, c'est parce qu'on a connu une jeunesse épanouie dans le camp. Est-ce que vous avez, Nina et toi, Michel, aussi ce sentiment d'une communauté aussi, qu'être du camp,
Ça a du sens par rapport aux autres? Oui, c'est une communauté, disons, il n'y avait pas de trucs sociaux. Tout le monde était à égalité. On allait chez l'un, c'était les mêmes meubles. On allait chez l'autre, c'était pareil. Donc, on n'avait pas le sentiment de... On avait vraiment le sentiment d'appartenir à la même famille. C'est-à-dire, on tout, pouvait, le tout le monde. Tout le monde était au même niveau. Tout le monde avait les mêmes choses. Et voilà, c'est comme quoi. Si c'est 700 enfants, vous êtes voilà, frères et sœurs. On est tous frères et sœurs. Voilà, on allait chez l'un, chez l'autre. On ne fermait pas les portes. On mangeait sur le bord de la porte. Voilà, c'était vraiment... Il n'y avait pas de différence. C'est surtout familial. Familial, c'est-à-dire qu'on avait à côté de nous des familles qu'on appelait tata, tonton. On était presque comme des frères et sœurs. Il y avait une intimité certaine, mais c'était une communauté, une grande communauté. Et on allait à l'école quand même dans le camp. Et on vivait en autarcie. On n'avait pas besoin de sortir du camp. On avait des magasins, on avait des lieux cultuels. Et donc, on était au petit Vietnam. C'était chez nous, c'était un lieu d'ancrage. On brodait autour, on ne savait pas qui on était en fait. On ne savait pas qui on était. Est-ce qu'on était français? Peut-être. Est-ce qu'on était vietnamien? Peut-être. Est-ce qu'on tenait une aide aux Chinois? Peut-être. Et moi qui suis en plus de père indien, qu'est-ce que je suis? J'en sais rien. Je suis métisse, mais quelle histoire? Qu'est-ce que je leur raconte? Je dis, écoutez, nous sommes arrivés du Vietnam, on s'est enfui parce que le communisme était là, si on était resté, on serait tué. Voilà, c'est tout ce qu'on savait. C'était simpliste. Tu arrives en France, tu avais 10 ans, quoi? J'avais 10 ans. Oui, donc tu es assez grand. Ah oui, je voyais déjà mon père, quand même, qui... Déjà, tu quittais ton père pendant les 10 ans que tu connais et tu l'as quitté. Et en même temps, tu quittes tout ce qui est ta maison, tu quittes tout ce que tes droits, tes meubles, tes trucs, ton habitude. Et du jour au lendemain, tu t'embarquais dans un embarquement. Hein. Et c'est ça qui effrayait, enfin effrayant au départ. Parce qu'on a peur de quitter un truc pour aller où? Dans un truc que tu connais pas. De toute façon, la France, c'est un truc, une grande image pour nous. C'est pas... Donc, le choix était très difficile pour nous, notre famille en tout cas. Mais quand on a été dans le camp, c'est tout le monde sur le même point d'égalité. C'est ça, Michel. Vrai qu'on se retrouve à la même égalité. Bah oui, parce que nous, on est tous partis avec deux valises. Hein. On a eu trois cas de valises. Quels étaient les... Ça dépend. Il y en a qui sont partis avant, qui ont pu vendre leur maison et récupérer leurs biens. Nous, on est partis dans les derniers. Mon père, il est parti avec deux valises, on lui a dit pas plus. Quand vous êtes parti du camp, est-ce qu'il y avait aussi, tu sens ça un peu, le désir de prendre des distances avec le camp un peu? Eh bien, moi, c'est ce qui s'est passé. Toi, oui. C'est-à-dire quand j'ai quitté le camp en 77, parce que quand ma mère est décédée, et puis ils ont ramassé et chassé... en 24 heures, il m'a dit, vous partez, vous restez pas dans le camp. Donc, j'ai plus de logement, j'ai plus rien. Tu vois. Et ce moment-là, je me dis, t'as plus rien à voir avec le camp. Mm. Et donc, je suis parti. Et j'ai fait une croix là-dessus pendant 20 ans. Ah oui, pendant... Nos amis, les fils de mandarins, nous demandaient parfois « Est-ce que les maisons de France sont plus belles que les maisons de Hue ?» Et nous disions « Oui, bien sûr, les maisons de France sont bien plus belles. » Et ils se vexaient de notre arrogance, bien sûr. Aujourd'hui, Jeanne, je me demande ce qu'ils penseraient, nos amis les fils de mandarins, s'ils me voyaient dans cette chambre, petite et fermée. Alors je lui dis, tu vois, Jeanne, tu vois, Monsieur Chéniaud était un homme triste. Et se disant, elle a l'impression que je saute du coq à l'âne, et pourtant, ce n'est pas le cas.
Oui, Jeanne. Monsieur Chaigneault était un homme triste et c'est cette tristesse qu'il nous a transmise à nous autres, ses enfants. Oui, monsieur Chaigneault était un homme triste. Je le savais même quand je l'entendais bavarder avec ses amis Vanier et De Forçant. Même quand je voyais son regard s'illuminer, quand il parlait avec le maître en caractère. Oui, monsieur Chaigneault était un homme triste. C'est cette tristesse qu'il nous a transmise. Cette tristesse, tu vois, Jeanne, c'est de n'être ni tout à fait d'ici, ni tout à fait d'ailleurs. C'est de n'être ni tout à fait annamite, ni tout à fait français, c'est de n'avoir de place ni ici, ni là. C'est n'être ni tout à fait d'ici, ni tout à fait de là-bas. Et le pire, Jeanne, le pire, tu vois, c'est de ne même pas être capable d'imaginer ce que nous pourrions être d'autres. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? J'ai compris qu'une identité métisse, ça commence parce qu'elle est tue. Ouais, ça commence parce qu'elle est tue.